Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tag! Qui sera le tag des disciplines, en sachant qu'on l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Donc pour ceux qui veulent aller voir la première partie, je vous invite à aller le faire. Et donc moi je vais vous expliquer les règles, même si je pense qu'à force tout le monde les connaît. Donc en gros on met tous les prénoms de nos chevaux dans un petit bol, on en pioche 4. Et parmi ces 4 chevaux on va devoir décider quelle discipline leur va le mieux parmi le dressage, le saut, le cross et la balade. Petit PS, ne vous moquez pas du tout des chandeliers, des choses qu'on a mis derrière les étiquettes, mais sinon ça ne tenait pas. C'est assez honteux mais bon, on fait avec. Et pareil, on n'a pas de bol, du coup on l'a mis dans une enveloppe, c'est assez original mais ça fera l'affaire. Pour le premier tirage, j'ai pioché Diana, ensuite j'ai pioché Reban, j'ai également pioché Scylla et pour finir, le petit dernier, c'est Toscan. On va commencer par le plus simple pour moi, ce serait Scylla, je vais la placer direct en balade. Donc je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une jument déjà qui fait pas de compétition, qui saute pas beaucoup, qui crosse pas beaucoup non plus, la dressage c'est pareil. En plus elle adore regarder tout ce qui se passe, elle adore être au champ et tout, donc du coup la balade c'est parfait pour elle. Ensuite, on va passer à l'extrême, c'est-à-dire Diana. On va la placer en dressage, tout simplement parce que c'est une jument qui est très difficile à mettre en main. Mais une fois qu'il y a bien le duo cavalier-cheval, eh bien c'est une excellente poney de dressage qui fait uniquement ça. Et elle peut aller très loin en concours, donc forcément je la mets en dressage. Ensuite, j'ai un gros dilemme avec Toscan et Reban, tout simplement parce que Reban, c'est une très bonne ponette en saut et en cross, pareil que pour Toscan. Mais Toscan, c'est un cheval qui a plus de sang, donc forcément, on le caserait mieux en cross. Même si c'est quand même un gros dilemme parce que Reban, elle irait très bien dans cette discipline, donc on va la placer en saut. Mais bon, c'est aussi deux disciplines qui leur conviennent très bien. Alors de mon côté, le tirage que j'ai fait, c'est des chevaux que j'adore. Donc on commence avec Bulcan, ensuite j'ai pioché Cayenne, Cannelle, alors c'est que des noms Cayenne, Cannelle, c'est assez compliqué, et Haribo. Voilà. Toujours le même principe, on va commencer par l'évidence. Alors c'est évident, c'est très très compliqué parce que Haribo, vous voyez bien que il va dans aucune des disciplines. En balade, il avance pas, il broute. En cross, impossible de le faire avancer. Et même, c'est un petit pépé maintenant, le petit loulou. En saut, bah, il franchit rien. En dressage, il va au centre. Donc ça va être très très dur, mais bon, on va le placer quand même en balade parce que bah sa passion c'est manger et du coup il y a de l'herbe partout. Et donc ensuite, on va rentrer un peu dans vraiment les activités. Donc Cannelle. Cannelle, je la mettrai du coup en dressage parce que parmi les deux autres chevaux, ça va être très difficile. Et puis même Cannelle, c'est vraiment la jument qui est tranquille ou pépèse. Donc je la vois pas aller sauter et crosser. Franchement, maintenant, elle est tranquillou et puis c'est pas une jument de caractère comme ça. Et donc maintenant, la difficulté, c'est entre Bulcan et Cayenne. Donc Cayenne, lui, je le placerai en saut parce que maintenant, c'est un très jeune cheval qui a énormément de potentiel. Et donc Bulcan, elle, bah, je pense que de un, son moule l'explique et son caractère, si vous suivez un peu les histoires, c'est une jument qui a énormément de vitesse, même d'envie d'y aller. Donc franchement, ouais, pour moi, là, ça me convient. Pour ce troisième tirage, on a pioché donc Bambou. Hop, on le met loin pour que vous le voyez bien. Ensuite, j'ai pioché Love. Et les petits derniers, c'est des poulains, donc il va falloir se projeter. Donc c'est Nadir. Et ensuite, on finit par le petit bout, le petit Pops. Si vous avez déjà regardé notre ancienne vidéo du même tag sur la chaîne, vous avez pu voir qu'on a tiré des mêmes chevaux, mais c'est vraiment pas fait exprès, on s'est vraiment dit qu'on allait les laisser comme ça, ça fait quand même de différents tirages, c'est pas exactement les mêmes, et c'est quand même intéressant à regarder, mais voilà, c'est aussi une preuve qu'on triche pas. Et donc maintenant, c'est l'heure d'attribuer les chevaux aux disciplines, et donc on va commencer pareil par l'évidence, donc c'est Bambou qu'on va placer directement en saut, tout simplement, parce que c'est la discipline dans laquelle il y a le plus de potentiel. Ensuite, c'est aussi le moment où il faut se projeter, imaginer le poulain adulte. Donc, c'est Nadir. Donc, Nadir a des parents qui sont très forts en dressage. Et donc, forcément, on imagine que plus tard, il aura potentiellement une carrière de dressage. Donc, on va le placer dans le dressage. Ensuite, on prend Petit Pops. Donc, celui-là aussi, c'est assez simple. Parce que vous voyez qu'il est trop mignon et enfin, il n'y a aucun rapport, mais je sens qu'il va être fort en cross, donc du coup on va le placer en cross. Enfin, regardez-moi cette bouille, il sera trop bien en cross, donc on le met en cross.
Et donc, il reste qu'une discipline et également qu'une jument. Donc, du coup, on va l'attribuer en balade. Donc, cette discipline lui convient très bien parce qu'elle adore découvrir de nouvelles choses. C'est aussi une jument qui adore se promener. Donc, c'est parfait pour elle. On est parti pour un autre tirage. Donc, dans ce tirage, j'ai pioché Caramel, Okian. On a deux vieilles. C'est ça qui est parfaite. Parfaite, ce n'est pas français. Pouchou. Et Aphrodite. Super bien pensé. Alors, vous connaissez la chanson, on va commencer par l'évidence. Je veux que vous écrivez tous en commentaire, on commence par l'évidence, parce que ça ferait genre comme si vous étiez avec nous et tout. Je pars beaucoup trop loin. Bon alors, l'évidence ici, c'est Pouchou. Et Pouchou, elle va aller en cross. Alors parce que elle adore courir, sa passion c'est courir à fond. Et puis elle adore ça, franchement, quand on part en cross, parce que c'est pas souvent qu'on part en cross avec les enfants. Et donc, on la met dans des niveaux qui, qui a des petites cavalières, parce qu'elle est vraiment toute petite, cette petite ponette. Et qui part en cross, donc franchement, ça c'est sa passion, franchement. Donc voilà, c'est son kiff, c'est le cross, et donc j'étais obligée de la mettre dedans. Et surtout aussi qu'on a deux vieux, donc ça c'est compliqué, c'est pas eux qui se diraient en cross. Et donc la deuxième évidence, c'est Caramel. Caramel, c'est une ponette qui maintenant ne fait pratiquement que ça, à part faire quelquefois du plat ou alors des fois des débutants, des choses comme ça, mais elle fait que des balades. Elle adore ça, franchement c'est son deuxième passe-temps. C'est à chaque fois elle est hyper contente. Elle sait quand on va la chercher au champ, c'est souvent pour partir en balade. Donc franchement c'est les seuls moments où elle a le smile, donc ça fait trop plaisir. Donc elle ira en balade. Et donc là, on a Okian et Aphrodite. Donc ici, c'est très difficile parce que, eh bien, Aphrodite, elle va dans les deux disciplines, en fait. Elle va dans le saut comme dans le dressage. C'est une nouvelle jument. Alors oui, c'est une jument. On l'a transformée en jument. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On s'est pas trompé. Et donc, c'est une jument, voilà, que maintenant, c'est une jeune jument, du coup, qui travaille dedans et tout. Mais bon, je vais la mettre dans le saut parce que elle a beaucoup, beaucoup de potentiel dans le saut. Et Okian, je vais la mettre dans le dressage parce qu'il ne reste que ça, mais c'est impossible, elle ne fera rien du tout dans le dressage. S'il y avait une discipline pour elle, ça serait le chant. Franchement, c'est, je pense, dans tout son tréquest, l'une qui irait dans le chant. Voilà. Mais bon, c'est là, ça sera le dressage, faut que j'arrive à parler. Pour cet avant-dernier tirage, on a pioché Hugo, ensuite c'est Boréal. Après, c'est Stang, pardon. Et pour finir, c'est Joy. Donc, c'est pareil. L'évidence, c'est Hugo. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Sa discipline préférée, c'est la balade. On peut pas redire ça. C'est une affirmation tellement vraie. C'est pour lui. Ensuite, on va passer. Pour vous, ce sera peut-être bizarre. Peut-être que vous l'aurez pas mis dans cette discipline. Donc, dites-moi où vous aurez mis Boréal. Donc, en cross, en saut ou en dressage. Même vous pouvez dire en balade, enfin, dites-nous au pire, pour toutes les choix, vous pouvez nous dire en commentaire quelle discipline ou quel cheval vous aurez mis, ça nous intéresse vraiment. Et donc pour Boréal, on le mettrait en dressage. Donc je vais vous expliquer pourquoi, donc même si pour vous ce serait peut-être bizarre. Donc Boréal a une cavalière qui est sa propriétaire, donc c'est Amélie. Et c'est un jeune cheval qu'elle a eu il y a pas si longtemps que ça, et donc elle le débourre en fait. Et il passe son temps à faire du dressage, donc c'est la base de l'apprentissage. Et donc voilà, donc il est très fort en dressage, c'est en plus une cavalière qui a envie de faire des balades, des dressages, elle est pas vraiment centrée cross et saut, donc ce serait sa discipline. Et donc ensuite, on va continuer avec Stang. Donc Stang, on va se projeter dans l'avenir, mais on va pas se projeter en fonction de ses parents. C'est pas parce que ses parents sont forts en saut ou en dressage que forcément lui aussi sera fort dans cette discipline. Voilà, il faut plus regarder son potentiel à lui. Et vu qu'on est en train de le débourrer, on est en train de voir un peu son potentiel à lui, on voit qu'il est assez fort en saut parce qu'on lui fait sauter juste des barres au sol, on lui fait pas sauter des vrais obstacles. Et on voit son potentiel, donc on irait en saut. Et pour Joy, elle se ferait tellement plaisir en balade. Franchement, c'est une jument qui aurait tellement de plaisir. Enfin, je vais me répéter un peu, mais c'est son bonheur à elle d'être en balade. Mais on va la mettre dans la dernière discipline qui lui reste. Donc, c'est le cross. C'est aussi une discipline qui lui va très bien parce que c'est dans la nature. Donc, c'est aussi très bien pour elle. Et donc là, c'est le dernier tirage. Ne pleurez pas, je sais que vous êtes extrêmement triste. En vrai, c'est l'un de nos tags préférés, enfin qu'on adore faire. Dites-nous si vous voulez qu'on en refasse d'autres parties et quel tag vous voulez. Avec grand plaisir, on vous en fera. On sait qu'il y en a qui adorent le tag du couple parfait. Donc dites-nous si vous voulez qu'on le fasse. Dites-nous tout, c'est hyper important pour qu'on vous le fasse. C'est important de partager comme ça. Et donc maintenant, je vais vous dire les chevaux qu'on a. Donc on a tiré Kim. On a tiré au sort également And White. Faut qu'il tienne, voilà, parce que lui, il a un petit problème d'aplomb. On a tiré au sort aussi Vladimir et Chimène. Alors, dans ce tirage, l'évidence, ça sera
Le frison, ça sera Endoite. Évidemment, lui, on va le placer en dressage parce que bah il fait principalement que ça, ce qu'on l'a récupéré dans un élevage qui faisait mais que du dressage, dans une école de dressage, donc forcément qu'il est devenu un champion quoi, tout simplement. Il est extrêmement fort dedans. Donc ensuite, nous avons Kim. Kim, c'est une ponette mais tellement cool, tellement sympatoche. Enfin, elle a un petit caractère quand même, hein. Faut pas trop l'embêter, mais enfin dans le sens où faut pas la titiller à faire des choses qu'elle ne peut pas faire tout simplement parce que c'est pas une jument qui a énormément de potentiel à aller sauter 1m80, à faire du dressage à fond les barouettes, pas du tout. Elle c'est la tranquillité absolue, donc ça sera les balades. En plus, mais elle est tellement sympa cette ponette, je l'adore, c'est un moule que j'adore. Et donc ensuite on a Chimène. Chimène, elle, c'est une ponette, mais alors de même, qui a un tempérament super cool, elle est vraiment hyper sympa. C'est une ponette, on va dire, de base. Et elle, je la mettrais dans le cross parce que elle aime bien ça, elle en fait très très souvent, enfin très souvent, peut-être pas non plus, mais elle en fait et elle adore ça. Et donc, pour le dernier, il reste Vladimir. Et donc, je sais que vous aurez sûrement dit, ouais, Vladimir, il irait bien dans le dressage et tout, parce que bah les Arabes, on les voit très 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 souvent dans le dressage. Mais au contraire, je vais le mettre dans le saut, parce que en fait, c'est un très très jeune cheval. Franchement, bah il vient de finir son débourrage, tout simplement. Donc, il adore le saut, et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est... il sait pas encore extrêmement sauter, il apprend aussi à sauter, et mais il s'éclate, on le voit qu'il adore ça. Donc, tout simplement, je vais arrêter de papoter, vous avez compris, ça sera le saut. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adios. Voilà. Ensuite, on a Bambou. Bah, on le voit même pas. On recommence. Même si ça aurait été la première que j'aurais choisi la discipline, je l'aurais quand même mis en balade parce que ça lui convient totalement en fait. C'est quoi cette explication? Tout le monde déjà s'est dit dans quelle discipline il va aller. C'est le saut, de 1 par son moule et de 2 un accident. On recommence. Ça s'est entendu donc. On continue avec ces chevaux que j'ai piochés. Donc j'ai pioché pour commencer Candy. Ensuite j'ai pioché. Et ensuite je mettrai Candy pour le dressage. Donc je m'explique. Parce que Candy c'est une jument qui est très molle. Et il faut vraiment la faire avancer pour que. Bah pour qu'elle avance, c'est bizarre. C'est logique surtout. Bah oui. Donc voilà, la vidéo malheureusement. Non mais c'est l'orchestre quoi.